Impossible de passer à Angers sans le remarquer, le château des Ducs d'Anjou est le monument le plus fréquenté de la ville. Chaque année, il accueille près de 200 000 visiteurs. Aujourd'hui, dans Accès réservé, nous vous proposons de partir à la découverte de cet édifice de manière originale, en visitant plusieurs lieux d'habitude inaccessibles au grand public. Alors ici, nous nous trouvons au sommet de la tour du Moulin, qui est la seule tour du château du XIIIe siècle qui a conservé sa hauteur d'origine. Ce qui explique qu'on ait vraiment une vue dominante sur l'ensemble du site. Toutes les autres tours, en fait, ont été dérasées au XVIe siècle. Celle-ci, elle a conservé sa hauteur d'origine parce qu'on a voulu y mettre un moulin à vent pour moudre du blé pour les garnisons du château. Et c'est un moulin à vent qui a été détruit par la foudre au XVIIe siècle. Donc on lit notamment très très bien la forteresse du XIIIe siècle, qui était cantonnée de 17 tours, donc très rapprochées, qui donnent vraiment cette impression de forteresse très puissante. Et cette enceinte donc, du XIIIe siècle, elle dégage une grande cour centrale, et derrière moi sont conservés les bâtiments du palais des Ducs d'Anjou, enfin d'abord des Comtes d'Anjou, de ce côté-là, et puis vraiment derrière moi, le palais des Ducs d'Anjou de la fin du Moyen-Âge, donc du XVe siècle, avec notamment la chapelle Saint-Jean-Baptiste, et à côté le logis royal qui a été reconstruit par le roi René vers 1440. À Angers, ce qui distingue Angers des autres principaux châteaux français, c'est sa puissance. Vraiment, le château qui a été construit ici par Saint-Louis au XIIIe siècle, il faut imaginer que c'était l'une des plus puissantes, sinon la plus puissante forteresse du royaume. Pour trouver des équivalents, en fait, il faudrait aller voir ce qui se passe en Terre Sainte à la même époque. Mais vraiment, en Anjou, avec Carcassonne ou Château de Coucy, Angers fait vraiment partie des plus puissantes forteresses du royaume. La tour du Moulin est fermée à peu près depuis les années 2000. Je me trompe peut-être, hein, parce que le temps s'écoule vite, même dans un château aussi ancien que celui-ci. C'est effectivement pour être en mesure de bien assurer la sécurité de nos visiteurs qu'on a préféré fermer cet espace. Dans la mesure où la commission de sécurité restreint l'accès de certains lieux pour des raisons d'issue unique par exemple ou de largeur des passages, on va avoir l'injonction, enfin du moins la nécessité de fermer ces lieux. Et c'est le cas de la Tour du Moulin par exemple qui n'est accessible qu'à 19 personnes et c'est très compliqué de pouvoir s'assurer que réellement seulement 19 personnes montent sur la plateforme sommitale. Donc en l'attente d'un système de régulation, enfin de comptage qui permettra donc une vérification, j'allais dire mécanique, du nombre de personnes qui sont en haut de la Tour du Moulin, on l'espère très prochaine, et ben, en l'attente de cette installation, pour l'instant on est obligé de la maintenir fermée. On se situe ici dans la chapelle Saint-Lô, qui est localisée sous la galerie de l'Apocalypse, donc où est présentée la tenture de l'Apocalypse. La chapelle a été redécouverte après-guerre, donc au moment des travaux de construction de la galerie qui se trouve au-dessus de nous, donc qui explique son état de conservation. En fait, elle avait été partiellement détruite en 1815. Alors cette chapelle, donc, elle a été édifiée au milieu du XIIe siècle, et elle est encore identifiée comme chapelle au XVIe siècle. Simplement, elle a été remplacée à partir du XVe siècle par la grande chapelle Saint-Jean-Baptiste qui se situe donc dans la cour seigneuriale, donc la grande chapelle que l'on découvre en entrant dans le château. Et donc celle-ci a sans doute été déclassée assez rapidement à la fin du Moyen-Âge. Derrière moi, c'est la partie, le sanctuaire, c'est-à-dire le cœur de l'église, qui a été traité entièrement en pierre de taille de tuffeau, alors que derrière, le reste de la nef, qui est moins bien conservée, a été maçonné en schiste, donc un matériau moins prestigieux. Ici, ce qui est intéressant, ce sont les éléments sculptés. Donc on voit au niveau des chapiteaux et puis des bases des colonnes dans le chœur, qui nous permettent de dater l'édifice à peu près du milieu du XIIe siècle. Donc c'était une chapelle qui desservait en fait le palais des Comtes d'Anjou, dont la grande salle se trouvait juste à quelques mètres plus à l'est.
Cette chapelle n'est pas non plus accessible, hein, toujours pour les mêmes, compte tenu des mêmes réserves, c'est-à-dire qu'elle n'est pas un espace dans lequel on peut circuler sans ressortir par le même endroit. Donc on est dans l'obligation de l'extraire du circuit de visite, ce qui est toujours extrêmement frustrant parce qu'on aurait envie que nos visiteurs puissent tout voir. Là, ils peuvent la voir du dessus. Hein. Elle est dans le contexte aussi de présentation et de conservation de la tenture de l'Apocalypse. On essaie donc de ne pas éclairer trop pour ne pas apporter aussi de nuisances, y compris dans la pénombre dans laquelle on est et qui permet du coup de mieux appréhender la tenture de l'Apocalypse. Alors on se trouve ici à la base de l'escalier du XIVe siècle, fin du XIVe siècle ou tout début du XVe siècle, il est assez mal daté. Donc il faut imaginer comment de sa construction, la configuration des lieux était un petit peu différente. Là ça a été modifié à la fin du XVIe siècle, donc notamment il faut enlever le mur qui se trouve devant nous et qui crée cette espèce de puits de lumière donc, qui à l'origine n'existait pas. Cet escalier en fait il a été construit par le duc d'Anjou Louis II on pense, donc vers 1400, pour établir des communications vers la chapelle Saint-Lô, qui se situe ici en bas, derrière nous vers les appartements donc, du duc, la grande salle et plus loin les appartements, et puis sans doute un corps de logis qui est mal connu, qui se situe ici à ma droite, donc un corps d'habitation sans doute sur plusieurs niveaux, et donc tout ça a été relié par cet escalier en vis, donc qui est encore, ça fait partie des premiers escaliers en vis en France. Trois baies principales, il faut imaginer que l'escalier se prolongeait encore en hauteur. On pense qu'il donnait accès à un belvédère, malheureusement qui a été détruit, et donc qui devait offrir un panorama passant au-dessus des fortifications du château, donc qui permettait de voir donc, toute la vallée de la Maine, et donc assez loin aux alentours du château. L'escalier donne accès à cette casemate qui est en fait un ouvrage défensif qui a été aménagé à la fin du XVIe siècle. On a même le marché de construction, donc on peut le dater précisément de 1592. Donc c'est un volume qui desservait en fait deux canonnières, donc on vient ici, il y en avait deux autres en dessous, et donc ça permettait de mettre en batterie des canons pour protéger en fait les circulations sur la Maine et les circulations donc au niveau de la basse chaîne qui fermait l'entrée de la ville d'Angers sur la rivière. C'est vraiment construit dans un contexte, c'est le contexte des guerres de religion. Donc la place d'Angers, c'est vraiment une place forte, extrêmement réputée, difficilement prenable. Et du coup, la couronne de France fait aménager des terrasses d'artillerie pour mettre des canons. Et à l'intérieur des terrasses, des casemates, donc des petits espaces vides, qui permettent donc de desservir des canonnières qui défendent les abords du château. À l'intérieur de la tour 17, donc qui est la tour qui domine le pont de la basse chaîne. C'est une tour qui a été construite donc en même temps que le château dans les années 1230. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit très très bien donc, les archères sur chaque pan de mur donc, qui permettaient de tirer à l'arc ou à l'arbalète et donc pour défendre le château en cas d'attaque. Et certaines de ces archères ont été transformées en canonnières au XVe siècle. Donc, ici, on a un bon exemple de l'ancienne ouverture de l'archère qui a été transformée, adaptée en fait, pour l'utilisation du canon dans le courant du XVe siècle. Et puis autre élément qu'on peut voir en fait de l'histoire du lieu, ce sont les fiches métalliques donc, que l'on voit qui dépassent ici des maçonneries, qui sont liées à l'utilisation de cet espace comme lieu d'enfermement au début du XIXe siècle. Donc en 1811, il y a un lambris qui a été posé sur les murs et puis un parquet qui a été posé au sol pour en fait limiter les risques d'évasion des prisonniers et puis améliorer quand même un petit peu leurs conditions d'incarcération. Alors nous sommes ici dans la grande salle du château des comtes puis des ducs d'Anjou. Les parties les plus anciennes, alors qui prennent appui sur des maçonneries gallo-romaines, mais les parties les plus anciennes en élévation datent du Xe siècle.
Sous Foulquenéra, la salle a été agrandie, donc à l'époque elle mesurait une quarantaine de mètres de long par une douzaine de mètres de large, donc un bâtiment vraiment très très imposant, surtout dans le contexte de l'époque. Et puis au XIVe siècle, les ducs d'Anjou ont réaménagé ce volume en faisant percer donc, ces grandes fenêtres à double traverse, donc, qui apportaient une lumière assez abondante, et en faisant aménager sur le mur pignon ici, une cheminée monumentale qui mesure à peu près 5 mètres de large. Donc, vraiment quelque chose de très impressionnant. Et puis en créant un niveau de plancher intermédiaire, donc en créant une salle basse, puis une salle haute, avec sans doute un volume qui montait sous une charpente. Alors ici, il faut vraiment voir cette salle comme une grande salle d'apparat destinée à impressionner. Donc c'est une salle qui est utilisée pour les moments les vraiment solennels de la vie de cour, quand on rassemble les invités prestigieux, quand il y a des grandes cérémonies, des mariages, donc quand on a besoin de rassembler une foule importante. Il faut voir que cette salle, elle offrait une surface de près de 500 mètres carrés, ce qui était quand même assez considérable pour l'époque. Mais en ce qui concerne ce bastion sud-ouest, se pose la question d'un circuit qui vous permet d'entrer d'un côté et de sortir de l'autre. Donc pour l'instant, dès lors que la salle comtale n'est pas utilisable ou traversable, si on peut dire comme ça, eh bien pour l'instant ce circuit serait forcément, j'utilise un terme qui n'est pas très joli, mais en cul-de-sac. Donc il faut qu'on trouve une solution pour du coup pouvoir déambuler sur la totalité du circuit. En toute sécurité, hein, c'est toujours l'objectif et l'attention particulière qu'on porte aux visiteurs du monument qui nous induit ce type de réflexion. Donc quand on pourra avoir effectivement ce circuit qui n'obligera pas à revenir sur nos pas pour sortir des espaces, on pourra imaginer de le laisser en visite libre. À quelle échéance, c'est vraiment trop tôt pour vous répondre là-dessus. Ici devant la porte des champs, qui au Moyen-Âge était la principale entrée du château. C'est la raison pour laquelle elle a été en grande partie construite en pierre de taille de calcaire, hein, alors que le reste des élévations a été traité avec beaucoup plus de schiste. Donc vraiment cette porte se distingue de tout le reste par sa blancheur. Donc on pénétrait, c'était l'entrée principale du château, on rentrait par l'ouverture ici qui se situe aujourd'hui à peu près 7-8 mètres au-dessus du niveau de sol. Donc il faut restituer un grand pont qui permettait de rejoindre cette entrée. Et vous apercevez encore la herse qui est en place, qui est, en état actuel des connaissances, la plus ancienne herse conservée en France dans un château médiéval. La porte des champs, elle a été construite dans les années 1230, et cette herse, elle est un peu plus tardive. On a pu la dater en faisant des prélèvements de bois pour mesurer les cernes de croissance des bois qui ont servi donc à la construction de cette herse. Elle est datée de la fin du XIVe siècle, donc à l'époque de Louis Ier d'Anjou. L'actuelle entrée qu'on emprunte pour entrer dans le château, qui est la porte de ville, elle date de la même époque, c'était donc à l'époque du château du XIIIe siècle. Simplement, c'était une entrée secondaire. Vraiment, l'entrée royale dans le château, elle se faisait par la porte des champs. L'objectif du château est bien évidemment de donner un maximum de choses à voir aux visiteurs, de leur montrer un peu toute la richesse du monument avec toute la complexité de ses phases de construction, de ses bouleversements, des transformations. La proportion des lieux inaccessibles au château pour les visiteurs est assez faible en fait, hein. La plupart des espaces sont ouverts. En l'évaluant en gros, je dirais 15%, et encore je suis peut-être au-dessus de la réalité. Le château d'Angers est ouvert tous les jours de la semaine. Le monument, célèbre pour sa tapisserie de l'Apocalypse, vaut le détour à bien d'autres égards. Mais pour percer tous ces mystères et comprendre réellement son histoire et son évolution à travers les âges, il faut prendre un peu de temps.